chaque année, on rapporte une centaine de meurtres au Québec. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. J'ai tout simplement pris le sac, je suis allée le porter dans le conteneur en bas, sans penser que j'étais en train de jeter un bébé, moi. Une femme peut être enceinte et ne pas ressentir qu'elle est enceinte. Ses proches, sa famille, ses amis, ses collègues de travail, à peu près tout le monde dans son entourage l'a, un jour ou l'autre, confronté à sa grossesse qu'elle refusait d'admettre. Le lundi 14 juillet 2008, vers 16 h, une infirmière de la clinique médicale GIFAR à Québec loge un appel à la centrale 911. Elle s'inquiète d'une patiente rencontrée 2 jours plus tôt, qu'elle a référée à un hôpital pour y accoucher. Il semble que la patiente ne s'y soit jamais présentée. Les policiers décident alors de se rendre à l'adresse que la future mère a fait inscrire à son dossier. Il s'agit d'une maison unifamiliale à l'Ancienne-Lorette. Le couple de 50 ans qui répond à la porte est surpris de voir des policiers. Un des agents les informe qu'ils sont à la recherche d'une jeune femme, Marie-Ève Bastille. Il mentionne également le fait que cette jeune femme est sur le point d'accoucher. Marie-Ève Bastille avait donné cette adresse en référence à la clinique médicale qu'elle avait consultée. Lorsque les policiers ont rencontré les parents, ils ont avisé le pourquoi qu'ils voulaient rencontrer Marie-Ève afin de vérifier son état de santé et puis avoir des nouvelles du bébé. Les parents de Marie-Ève Bastille sont estomaqués. De toute évidence, ils ignorent que leur fille attend un enfant. En plus, pourquoi a-t-elle préféré donner leur adresse plutôt que la sienne? Malgré leur désarroi, ils s'empressent de fournir la véritable adresse de leur fille. Les agents s'y rendent sur le champ. Il sonne à un des appartements d'un petit immeuble de Limoilou, un quartier de la ville de Québec. Cette fois, une jeune femme leur répond. Cette personne s'est identifiée en disant qu'elle était la coloc de Marie-Ève Bastille. Les policiers veulent une preuve. Coincée, la jeune femme tire une carte du portefeuille laissée sur la table du salon. La photo parle d'elle-même. La jeune femme n'est pas la colocataire, mais bien Marie-Ève Bastille. Une fois que Marie-Ève Bastille s'était identifiée correctement avec son vrai nom en disant qu'elle avait menti parce qu'elle était nerveuse, elle a dit aux policiers qu'elle n'était pas enceinte et qu'elle n'avait pas accouché. Mais il s'agit d'un nouveau mensonge. Quelques instants plus tard, elle s'est ravisée en changeant sa version en disant qu'elle avait accouché il y a quelques semaines chez une amie. Comment se fait-il que l'infirmière de la clinique où elle s'est présentée quelques jours auparavant a jugé qu'elle était sur le point d'accoucher? Que signifie cette succession de mensonges? Pour les policiers, cette simple visite de routine devient de plus en plus déconcertante. Ils ne sont pas au bout de leur surprise. Qu'est-ce qui arrive là, qui vient mettre le punch? C'est que là, Marie-Ève Roy, la conjointe de l'époque, arrive. Et puis elle dit la vérité. J'arrive chez moi, il y a de la police partout. Je dis, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe dans le coin? Je pense même pas que ça peut être chez moi, là. Je monte les escaliers, puis la porte est entrouverte. Marie-Ève est assise sur le sofa. Là, elle me regarde. Puis comme pas trop sûr, les policiers bougent pas. Le fait que Marie-Ève Bastille soit en couple avec une femme rend le mystère de la grossesse encore plus opaque. Quand je suis arrivée, j'ai dit « Qu'est-ce qui se passe? » Les policiers m'ont tout simplement dit « Elle te le dira, 7 ans. » Après ça, les ambulanciers sont arrivés. Pour éviter toute communication entre les deux jeunes femmes, Marie-Ève Roy s'installe dans la chambre pendant qu'un ambulancier vérifie l'état de santé de Marie-Ève Bastille dans le salon. Je ne veux pas, ça lui a mis un peu de pression, là. Et puis, là, c'est là qu'elle a avoué qu'elle avait fait une fausse couche dans la nuit de samedi à dimanche. Moi, je suis dans la chambre qui est juste à côté du salon. Puis là, elle se met à parler. Puis elle se met à dire, j'ai pas accouché ici, j'étais chez une amie, vous trouverez pas le bébé, il est à quelque part que vous pourrez jamais le trouver. Là, je dis, pardon. Je dis, ben voyons donc. Qu'est-ce qu'elle est en train de dire là, elle, là? Il semble bien que Marie-Ève Bastille ait beaucoup de mal à dire la vérité sur ce qui s'est passé. Marie-Ève Bastille a 22 ans. Elle est née le 10 septembre 1985 à L'Ancienne-Lorette. Bastille est la fille unique et adorée d'un couple à l'aise financièrement et éduqué. Son père est un fonctionnaire de carrière et sa mère est très impliquée dans les organismes sociaux. Bastille semble avoir eu tout ce qu'il fallait pour mener une vie heureuse. Marie-Ève était très joyeuse et très souriante. Toujours prête à rendre les autres heureux. C'était quelqu'un qui était attirant avec son charme, son charisme. La jeune femme a la réputation d'être brillante. Qu'on parle d'école ou qu'on parle de culture personnelle, c'est une femme très intelligente. Tout au long de son parcours académique, Marie-Ève performe très bien. Ses parents sont très fiers de ses résultats scolaires. Au cégep, elle est admise dans l'un des programmes préuniversitaires les plus difficiles, le baccalauréat international en sciences pures. Elle disait qu'elle voulait même devenir pédiatre. À un certain moment donné dans sa vie, c'est ce qu'elle voulait faire. Parallèlement à ses études, Marie-Ève occupe divers emplois à temps partiel. Marie-Ève Bastille a été mon emploi à titre de caissière et éventuellement gérante pour moi dans un commerce de dépanneur. Elle était merveilleuse, accueillante les clients, sociable, vraiment une bonne employée. La jeune femme vit en couple avec Marie-Ève Roy depuis 3 ans. On travaillait au même endroit. On s'est rencontrés comme ça, tout simplement. On commençait à se jaser. Puis avec le temps, on s'est venu à une relation. C'est la première fois que Marie-Ève Bastille vit une relation homosexuelle. On avait quand même une relation, une belle relation. On se complétait sur certains points. On était très différentes, mais on avait beaucoup de plaisir. On a eu des hauts, des bas. Mais en tant que telle, la relation, c'était une belle relation. Marie-Ève Bastille ne cache pas son amour des enfants. Marie-Ève était déjà venue à la maison nous visiter pendant que ma conjointe était enceinte et Marie-Ève a passé une soirée entière avec ma conjointe à flatter le bedon, à trouver ça beau, elle aurait aimé ça. À plusieurs reprises, Marie-Ève a fait des allusions avec la petite qui s'en venait. Vous êtes chanceux, vous avez ça. Dans le petit appartement de Limoilou, les policiers tentent toujours de dénouer les chevaux de mensonges de Marie-Ève Bastille. Ils commencent par chercher des traces d'un nouveau-né. Mon cellulaire sonnait, c'est sa mère qui m'appelait. En panique, savoir Marie-Ève était où. Elle a fini par me prêter son père. Il me dit, dis à Marie-Ève qu'il n'y a pas de problème, qu'on l'aime, que l'enfant, on va l'accepter, puis qu'on va le prendre, puis on va l'aimer. Là, Marie-Ève, elle a fait une fausse couche hier, puis je dis, elle était en train de mentir aux policiers à côté en disant que ça s'est pas fait ici. Là, son père dit, là, tu dis la vérité parce que sinon, tu vas être accusé toi aussi. À ce moment-là, moi, j'allume, je dis, là, c'est pas question que je sois accusé de quoi que ce soit. Je dis, moi, j'ai rien à voir là-dedans. Marie-Ève Roy comprend la gravité de la situation. Elle décide de ne rien cacher aux autorités. Puis j'ai pris la première ambulancier sur le bord, je viens ici, je dis là, j'ai dit, moi je suis allé porter un sac hier dans le conteneur, j'ai dit, s'il y a à avoir un enfant, il va être là-dedans. Puis eux autres sont allés vérifier. Dans la cour du petit immeuble, en cette fin d'après-midi de juillet, une vision insoutenable attend les premiers intervenants. Alors, les ambulanciers avaient ressorti le sac, ils avaient vu le bébé en ouvrant les sacs. Au moment où moi je suis arrivé sur place, il était encore enveloppé dans les sacs de poubelle, mais il avait été sorti du conteneur à vidange. L'ambulancier qui a fait la découverte s'est reculé, puis pour lui, la journée a été terminée. Il n'a pas été capable de continuer. Là, je suis un petit peu en panique, là, parce que là, je réalise que si bel et bien un enfant, là, c'est grave, là. On parle pas d'une fausse couche, là. C'est plus la même chose. Je veux dire, il y a de la haine à quelque part qui s'installe, là, parce que, je veux dire, si un enfant, puis il est mort, elle vient de tuer un enfant, puis elle vient de m'embarquer dans quelque chose de gros, là. Que s'est-il passé? Marie-Ève Bastille a-t-elle entraîné sa conjointe dans l'horreur d'un infanticide? Dans le conteneur à vidange d'un immeuble à logement de Limoilou, des ambulanciers découvrent le cadavre d'un nouveau-né emballé dans des sacs à ordures. Un petit attroupement s'est formé autour du conteneur. L'horrible découverte crée toute une commotion dans le voisinage. Le jeune enfant qui est en bas âge, ça nous touche particulièrement. La rage, j'ai eu aussi de la rage. J'ai posé la question à mon ami, à ma conjointe, comment est-ce possible? Puis moi, je ne le voyais pas comment quelqu'un pouvait commettre l'irréparable comme ça. Malgré leurs propres émotions, les policiers doivent garder leur sang-froid et continuer à faire leur travail. Évidemment, le périmètre avait été fait, mais il y avait quand même des possibilités de voir des choses. Alors, ils ont mis une toile par-dessus le bébé. Puis quand on a levé la toile jaune, ben, tout de suite, on a vu le sac avec le petit paquet qui était à l'intérieur, recroquevillé, à travers des vidanges, à travers des serviettes hygiéniques souillées, des mouchoirs, des bouteilles de shampoing vides. C'était assez spécial comme scénario à voir. Mon confrère et moi, on s'est regardés. Et puis j'ai dit à mon confrère, ben, il faut y aller, faut qu'on le fasse. Alors j'ai pris le bébé dans mes mains, puis je l'ai donné aux ambulanciers pour qu'ils en prennent charge. De toute évidence, plus rien ne peut être fait pour le nourrisson. Il n'y a pas de manœuvres qui ont été faites du fait qu'il était encore connecté avec le placenta, qui était dans le bac depuis facilement 24 heures ou plus, et qui était déjà bleuté. Il y avait certaines caractéristiques qui pouvaient nous indiquer qu'il était effectivement décédé. Une nouvelle question surgit, encore plus horrible. Le bébé était-il déjà mort à sa naissance? Ou l'a-t-on mis à la poubelle alors qu'il vivait encore? Avant d'évoquer l'hypothèse d'un infanticide, les enquêteurs doivent d'abord trouver des preuves. L'endroit a été gelé, puis pour qu'on puisse aller plus loin dans l'enquête, ça prenait un mandat de perquisition pour pouvoir aller investiguer les lieux. Les spécialistes en scène de crime s'intéressent d'abord à la façon dont le bébé a été emballé. Il était dans un gros sac de vidange orange, un gros sac, de vidange pour conserve, pour mettre les feuilles à l'automne. Alors c'était un gros sac comme ça, mais ce sac-là, il contenait encore un autre sac blanc dans lequel là, il y avait encore d'autres sacs, puis le bébé était à l'intérieur. Alors au total, il y avait 4 sacs. Manifestement, on a pris soin de bien camoufler le petit corps. Nous, notre objectif, c'est de faire un lien avec ce sac à poubelle-là et l'appartement en question. Lorsqu'on fouille la salle de bain dans l'appartement, ce qui nous sautait aux yeux sur les étagères de la salle de bain, c'était des serviettes hygiéniques de la même marque, des cotons-tiges, des mouchoirs de même nature. Et puis, dans la pharmacie de la salle de bain, on a trouvé un test de grossesse sans emballage qui, visuellement, ne nous semblait pas avoir été fait. Une autre question terrible se pose aux enquêteurs. Marie-Ève Bastille avait des parents, des amis. Comment se fait-il que personne de son entourage ne se soit inquiété de la disparition du nouveau-né? Il semble bien que tout le monde ignorait que Marie-Ève Bastille attendait un enfant. Déjà, le fait que Marie-Ève Bastille vit une relation stable avec une conjointe du même sexe rend une grossesse peu probable. J'étais un peu choquée, quand même, parce que là, je viens d'apprendre toutes sortes de choses, moi, là. Je viens d'apprendre que c'est, elle m'a menti tout le long parce qu'elle est enceinte. Je viens d'apprendre que, OK, oui, elle m'a trompée parce qu'elle est enceinte. Ça se fait pas tout seul. Marie-Ève Bastille ne termine jamais son programme en sciences pures. Elle échoue son premier semestre et décide d'abandonner ses études. Ses parents sont très déçus. Peu de temps après, elle quitte la maison familiale. Elle a alors 19 ans. C'est à ce moment qu'elle entame une relation amoureuse avec Marie-Ève Roy, qu'elle présente à ses parents comme sa colocataire. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Ils n'ont jamais su. J'ai toujours voulu leur dire, moi, mais j'ai jamais pu. J'ai jamais pu. Elle n'a jamais accepté qu'ils soient au courant. Je m'entendais très bien avec eux autres. Je suis sûre que ça aurait très bien passé. Tout indique que Marie-Ève Bastille est ambivalente par rapport à son orientation sexuelle. À un certain moment, on a eu une discussion dans le bureau où il y a eu des allusions. Moi, je savais que Marie-Ève était en couple homosexuel et des allégations sur des fantasmes qu'elle aurait eu avec un homme. Il y a des sous-entendus qui ont été placés souvent dans certaines conversations, dont une particulièrement où j'ai eu le droit à un colleux, pas habituel entre un employé et un employeur, mais pas du tout. Il semble que Bastille trompe régulièrement sa conjointe avec des hommes. Mon Dieu, je sais pas si j'arrive à les compter. Tu sais, c'est sûr qu'il y en a qui ont été confirmés. Ceux qui ont été confirmés après les événements, parce que c'est des gens qui m'entourent, je dirais 5-6. Mais réussit toujours à faire à croire que c'est pas vrai, qu'il n'y avait rien entre elle et quelqu'un d'autre, que c'était purement amical, que c'était jamais rien passé. Non. Quelques mois avant les événements, Marie-Ève Bastille va jusqu'à faire un voyage avec ses parents, accompagnée d'un garçon. J'ai su par la suite que lors d'un voyage à Riviera Maya au Mexique avec ses parents, la personne avec qui elle avait une relation extra-conjugale, donc un de mes amis, est allé avec eux autres, sans que je sache. Donc, je veux dire, ses parents l'ont invité, je sais pas qu'est-ce qu'on peut penser, c'était peut-être, ils pensaient peut-être qu'il était en relation ou c'était une future relation, mais ils l'ont amené avec eux autres. D'après les dates, il pourrait bien s'agir du père de l'enfant. Mais Marie-Ève est habile pour brouiller les pistes et jouer sur tous les tableaux. C'est épouvantable comment le mensonge fait partie de sa vie. C'est épouvantable comment ses parents sont au courant de rien de sa vie. Ses parents étaient pas au courant qu'elle prenait de la drogue. Ses parents étaient pas au courant qu'elle était avec une femme. Menteuse pathologique née. C'est ce que je veux toujours dire. Ben, à plusieurs reprises, j'ai été témoin de comportements autant vers ses coéquipiers de travail que vers sa conjointe. Elle mettait toujours l'emphase sur certains aspects qui faisaient en sorte qu'elle se valorisait, mais souvent au détriment d'autres personnes où elle vantait des histoires, où elle composait des scénarios. Puis malheureusement, le monde embarquait là-dedans. Elle était très manipulatrice. Qu'est-ce qui pousse Marie-Ève à mentir? Je me demande si c'est la peur d'être rejetée, la peur de perdre qu'est-ce qu'elle a, la peur de perdre les gens qui l'entourent parce qu'elle n'a pas beaucoup. Marie-Ève Bastille est consciente d'avoir peiné ses parents en quittant l'école. Elle n'ose pas leur révéler sa relation avec une femme, de peur d'augmenter leur déception. Il est probable qu'elle redoute leur réaction s'ils apprenaient qu'elle attend un enfant. Marie-Ève Bastille, ignorait-elle vraiment qu'elle était enceinte? Une hypothèse aussi improbable est-elle vraisemblable? Le corps d'un bébé naissant a été retrouvé dans un conteneur à déchets derrière un petit immeuble à logement de Limoilou. Personne dans l'entourage de la mère ne savait qu'elle attendait un enfant. Dès que son secret est mis à jour, Marie-Ève Bastille affirme que le bébé était mort à la naissance. Les enquêteurs en doutent. Tout de suite après la découverte du petit cadavre, les techniciens en scène de crime ratissent le logement occupé par Marie-Ève Bastille. Ils cherchent à déterminer si l'enfant était vivant ou mort à sa naissance. Parce qu'on avait déjà l'information de par les enquêteurs que l'accouchement avait eu lieu possiblement dans la salle de bain. La salle de bain, visuellement, nous semblait impeccable. Pas d'éclaboussures dans la toilette, dans la douche, au plancher, lavabo, pas de résidus de pâte à dents dans le lavabo. Nous laissait croire que la salle de bain avait été nettoyée récemment. De toute évidence, Marie-Ève Bastille a tenté de faire disparaître toutes les traces de son accouchement. Mais elle n'a pas réussi. Il y a des produits qui existent pour l'identité judiciaire, des produits qui nous servent pour trouver des traces de sang invisibles à l'œil nu. En l'occurrence, le luminol. On a eu une belle réaction. Sur le plancher, lorsqu'on se dirigeait vers l'extérieur de la salle de bain, il y a des traces de pas qui nous dirigeaient vers la cuisine. Il y a quelqu'un qui avait les plis souillés de sang, qui se dirigeait vers la poubelle. Et notre vaporisation nous a permis de voir qu'il y a des traces de pas qui étaient dans le corridor, qui menaient directement à la chambre des maîtres et directement du côté où Marie-Ève Bastille se couchait normalement, selon les informations qu'on avait. Compte tenu des éléments de preuve circonstanciels, les enquêteurs décident de l'accuser. Les policiers ont procédé à l'arrestation de Marie-Ève Bastille sous le chef d'accusation de infanticide. Marie-Ève Roy est immédiatement considérée comme sa complice. Un chef d'accusation sur la conjointe de madame a été porté, soit suppression de part. Ce qui veut dire que c'est quelqu'un qui se débarrasse d'un cadavre dans l'intention de cacher la naissance du bébé. Nous autres, on s'est rendus à l'hôpital pour faire un examen externe du bébé. Pour ce qu'on pouvait voir, il n'y avait pas de blessure apparente. Puis le bébé nous semblait complet, il n'y avait pas de fracture, rien, ou de déformation du crâne qui pourrait être due à une fracture ou des choses comme ça. Pendant ce temps, Marie-Ève Bastille est admise au centre hospitalier de l'Enfant-Jésus et placée sous surveillance policière. Comme elle a accouché chez elle, toute seule, il faut lui donner des soins. Le mystère de cette grossesse que la jeune femme semble avoir voulu garder secrète interpelle tous ceux qui l'approchent. Comment se fait-il que personne n'ait constaté son état? Pas même sa conjointe qui vivait avec elle au quotidien. Marie-Ève était rendue sédentaire, donc mangeait beaucoup, bougeait pas beaucoup, donc engraissait. Pour nous, c'était normal. Ses parents la voyaient à une fréquence peut-être plus éloignée, donc quand ils la revoyaient, ils avaient l'impression qu'elle avait peut-être un peu pris de poids, mais c'était pas si évident que ça. C'est possible que l'entourage, ça leur prenne du temps avant de s'en rendre compte. Parce qu'ils se rendaient compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien, sans être capable de mettre le doigt dessus. Et même quand le doute s'installe, Marie-Ève Bastille trouve chaque fois une explication. Ça m'est arrivé de lui demander, « Marie-Ève, il y a quelque chose? Tu penses pas que tu peux être enceinte? » Mais non. Non, pour elle, c'était sans aucun doute, c'était pas ça, c'était autre chose. Elle avait réussi vraiment à convaincre que les symptômes d'un fibrome pouvaient totalement concorder avec ses symptômes à elle. Ça, c'est une excuse qu'elle employait souvent. C'est un fibrome, des problèmes intestinaux qui provoquaient un gonflement, c'est ce qu'elle disait. 2 mois avant terme, les rondeurs pourtant discrètes de Marie-Ève suscitent un peu plus de questions. À partir de mai-juin, je veux dire, ça commence à être plus... C'est un ventre un petit peu plus flagrant. C'est par rapport à sa grosseur naturelle, qui Marie-Ève était extrêmement petite, là. Je veux dire, elle était faite, excusez l'expression, mais c'est un frame de chat. Là, c'est pas juste moi qui lui demandais, c'est les gens autour. Mais elle répondait toujours de la même manière, puis même, ça la choquait. Ça la choquait, ça la faisait pleurer, ça la rendait triste. Elle disait que les gens n'avaient pas confiance en elle. Donc, le fait de réagir de cette façon-là, ça ne nous aide pas à croire que c'est le cas. Pour en avoir le cœur net, Marie-Ève Roy oblige sa conjointe à passer un test de grossesse. Marie-Ève Bastille le rate en urinant à côté du bâtonnet. Même si elle allait accoucher 1 semaine plus tard, il semble bien qu'elle n'était pas prête à affronter la vérité. les enquêteurs attendent toujours les résultats d'analyse qui vont leur permettre de déterminer la condition de l'enfant quand il est venu au monde. J'ai eu un retour de l'enquêteur qui était à l'autopsie. Et puis ce dernier m'informe que le bébé, c'est un bébé vivant à la naissance. Le pathologiste a été capable de déterminer que le bébé avait respiré à la naissance. Surmontant avec difficulté leur sentiment d'horreur, les enquêteurs en viennent à la conclusion que Marie-Ève Bastille a une fois de plus menti quand elle a prétendu que l'enfant était mort-né. Il leur incombe désormais de déterminer comment le nouveau-né est mort. Et lorsque le bébé subit l'autopsie, ben, il y a des blessures qui ont été remarquées qui n'étaient pas apparentes à l'examen externe. Il y avait une ecchymose sur le devant, il y avait une ecchymose à l'arrière de la tête, et ce qui nous laissait croire qu'il y avait eu des impacts à deux endroits opposés sur la tête. Par la suite, lorsqu'ils ont ouvert à l'intérieur, ben, il y avait un épanchement de sang qui a pu expliquer la cause, un peu, la cause du décès. La pathologiste a dit, cet enfant-là, même s'il a été expulsé violemment à l'accouchement, c'est un impact, c'est pas deux. Donc là, on a essayé de trouver finalement comment l'enfant avait pu avoir ce deuxième impact-là. Ces blessures survenues après l'expulsion sont-elles accidentelles ou délibérées? Dans sa détermination à nier sa grossesse, jusqu'où Marie-Ève Bastille est-elle allée pour en effacer toutes les traces? Après 10 mois de dénégation, Marie-Ève Bastille est mise au pied du mur par sa conjointe. La veille, j'avais convaincu Marie-Ève d'aller voir le médecin. Parce que là, je veux dire, il commence à être tard. Si tu penses que c'est un fibrome, ça serait important de vérifier. On était supposé d'y aller le vendredi. Puis là, le vendredi, en fin de compte, était trop fatiguée. Elle repousse encore. Le samedi matin, quand je me suis levée, j'ai dit non, il n'y a plus d'excuses. C'est maintenant que ça se passe. Fait qu'on est parti au sans rendez-vous. Le 12 juillet 2008, il est presque midi quand Marie-Ève Bastille est vue par une infirmière. Je voulais l'accompagner dans la salle pour être avec elle. Marie-Ève a refusé. À l'infirmière, Bastille prétexte des maux de dos et des problèmes intestinaux. La professionnelle de la santé explique qu'il est tout à fait normal d'en ressentir à ce stade de la grossesse. Son examen sommaire lui indique que la jeune femme en est au moins à sa 35e semaine et que le travail a déjà commencé. Marie-Ève Bastille est étonnée. Elle affirme ne pas savoir qu'elle est enceinte. L'infirmière maintient qu'il n'y a aucun doute possible. Marie-Ève lui dit alors qu'elle va prendre ses responsabilités et promet de se rendre immédiatement à l'hôpital Saint-François-d'Assise, comme l'infirmière le lui suggère. C'est en sortant qu'elle me dit que l'infirmière va la rappeler. Elle me dit au mardi pour lui donner un rendez-vous chez un gynécologue. Moi, je vois ça pas comme parfait. En aucun moment, elle me le dit qu'il y avait une possibilité qu'elle soit enceinte. Aucun moment. Mais la jeune femme n'ira jamais consulter en obstétrique, comme elle l'a promis à l'infirmière. Le 15 juillet 2008, soit 2 jours après le drame, Marie-Ève Bastille est évaluée par un psychiatre du centre hospitalier Saint-François-d'Assise, où elle a été transférée dans la nuit suivant son arrestation. Il arrive à la conclusion que la jeune femme a souffert d'un trouble très rare, un déni de grossesse. Ce qui apparaissait comme une succession de mensonges était peut-être le simple reflet de sa conviction profonde de ne pas être enceinte. Une autopsie révèle que l'enfant de Marie-Ève Bastille était vivant à la naissance et que sa petite tête porte la marque de 2 impacts. La mère de 22 ans a toujours prétendu ignorer qu'elle était enceinte. Même après sa visite à la clinique où elle se fait annoncer un accouchement imminent, Marie-Ève Bastille continue de nier la réalité. Le récit des 24 heures qui précèdent la naissance de son enfant fait frissonner. Moi, j'ai pas de doute à rien, c'est parfait. Donc, on continue notre journée. On avait prévu, j'avais prévu d'aller voir mon père cette fin de semaine. Les jeunes femmes prennent alors la route en direction de Saint-Siméon dans la région de Charlevoix. Une longue randonnée sur des chemins tortueux. Lorsqu'elle est dans la voiture, moi, je ne le sais pas, mais effectivement, elle est en travail. En voiture, là, elle a un oreiller dans le dos, ça va faire 2 heures de route, là, à se tortiller. Mais pas, je veux dire, elle crie pas parce qu'elle a des contractions. Elle se retient. C'est quand on y repense, c'est épouvantable. C'est 2 heures aller-retour, donc 4 heures de taux en travail. Tout au long de la visite chez son beau-père, Marie-Ève Bastille continue à ne rien laisser paraître. Souper très normal. Encore là, on a mal dans le dos. On mange sur la terrasse avec mon père. On jase. Après le souper, ben, c'est sûr que là, commence à être fatiguée, elle a mal dans le dos. Je dis, on va y aller. On va retourner à la maison. Pas de la raffiler. Ça répète n'importe quoi. Il est presque 22 heures quand les deux Marie-Ève sont enfin de retour à la maison. On s'installe dans le salon, on relaxe, on fume un petit bout de joint pour se détendre. C'était sa moyen de détendre. Puis là, elle se réalise qu'elle a encore mal dans le dos. Elle dit, je vais aller me faire couler un bain. C'est possible qu'elle ait de la difficulté justement à réaliser que c'est un bébé qui s'en vient, jusqu'à ne pas ressentir les contractions ou penser que c'est une menstruation normale ou que c'est des problèmes intestinaux, là. Dans la salle de bain, Marie-Ève Bastille ne fait rien qui alerte sa conjointe, même quand le travail se fait de plus en plus violemment ressentir. Quand je suis partie me coucher dans le lit, j'ai sorti mon livre, j'étais en train de lire un bon livre, donc j'ai commencé à lire. Puis à un moment donné, pouf, je suis tombée endormie sur mon livre. Je me suis réveillée par sursaut parce que je me suis endormie sur mon livre. J'ai demandé si tout allait. Marie-Ève, ça va bien? Ça va-tu dans le bain? Elle dit oui. Ton de voix normal, pas de problème, pas de détresse, là. Je sais aucunement il est quelle heure. Je dis, moi, je sais pas ça fait combien de temps je viens de dormir. Je mets mon livre à côté, je ferme la lumière, puis je me couche. Pendant plusieurs heures, dans la nuit du 12 au 13 juillet 2008, Marie-Ève Bastille affronte seule les douleurs de l'accouchement. Sa conjointe, qui dort dans la pièce d'à côté, ne se doute de rien. Dans l'accouchement, il n'y a eu absolument aucun son. Mais la porte de la chambre est ouverte. La salle de bain était à 5-6 mètres. Pas très loin, là. Je m'endors, j'entends rien. C'est sûr que je dors très fort. Un train va passer, ça me réveillera pas. Donner naissance pour la première fois est exigeant, même dans les meilleures conditions. Le refus de Bastille de reconnaître sa grossesse ne facilite pas les choses. Dans un déni de grossesse, un des problèmes, il y en a plusieurs, c'est que la grossesse évolue pas normalement, mais le déroulement à l'accouchement est difficile aussi. Parce que la grossesse va servir pendant ces 9 mois-là à se préparer à accueillir le bébé. Alors ça complique vraiment, et pour le bébé et pour la maman, si la maman n'a pas eu ce temps-là. Alors, si elle a juste quelques minutes, quand le bébé sort pour l'accueillir, vous comprenez le choc qui peut arriver. Ce choc peut-il aider à comprendre l'issue dramatique de ce qui a suivi? Il n'y a qu'elle qui sait vraiment ce qui s'est passé. Sa version est très vague parce qu'elle aurait oublié, elle aurait été victime peut-être d'une perte de conscience ou du moins c'est ce qu'elle prétend. Pourtant, la poussée d'adrénaline exigée au moment de la délivrance a plutôt l'effet contraire en donnant à la mère des forces insoupçonnées. Que fait exactement Bastille à la petite fille de 7,5 livres qui vient de naître? Elle a dit qu'elle avait frotté l'enfant, qu'elle l'avait pris dans ses bras, mais que l'enfant était déjà mort-né. L'enfant a respiré au moins 1 minute, ça a été démontré, ça. L'enfant était en bonne santé quand il est né. Pourquoi il est mort? Seule Marie-Ève Bastille le sait. Dans les minutes qui suivent, Marie-Ève Bastille fait tout ce qu'il faut pour oublier ce qui vient d'arriver. Pour elle, ni la grossesse ni le bébé ne semblent avoir existé. Elle n'a jamais appelé le 911, elle n'a jamais appelé à l'aide. On ne peut pas mettre tout sur le dos du déni de grossesse. Marie-Ève Bastille a dit qu'elle n'avait pas eu la force d'appeler le 911, mais elle a eu la force, par contre, de tout ramasser, d'effacer les traces dans la salle de bain, de se déplacer dans la cuisine, aller chercher un sac, revenir, mettre le cadavre de l'enfant dans un sac et ensuite l'amener dans la poubelle de la cuisine. Ce n'est qu'ensuite que Marie-Ève Bastille va se coucher comme si de rien n'était, aux côtés de sa conjointe. Comme tous les matins, mais je me réveille de mon côté, donc je me tourne pour lui souhaiter bon matin. Je passe mon bras par-dessus. Il y a quelque chose qui marche pas, là. Il manque un bout, là. Il y avait un ventre, puis je n'avais plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle me répond, mon bouchon de menstruation est sorti. Là, je suis endormie, là, je me prends dessus pour une folle, là. Elle finit par dire, ben, j'ai fait une fausse couche. Encore une fois, Marie-Ève Bastille n'arrive pas à dire la vérité. N'est-elle pas consciente d'avoir mis au monde un enfant à terme? Dans ma tête, là, dans ma tête, tout se bouscule. Je dis, OK, là, elle était vraiment enceinte, là. Je veux dire, elle vient de faire une fausse couche. Une fausse couche, pas un fibrome, là. Elle était enceinte. Fait que là, je me lève parce qu'il fallait que j'aille aux toilettes, moi. J'étais due, c'était le matin. Fait que là, quand elle me levait, elle dit, fais pas le saut, là, il y a encore plein de sang dans le bain. Je dis, garde, là, repose-toi, là. Reste couché, je vais juste au moins nettoyer le bain, je vais jeter les affaires après. Je dis, garde, après, on verra, on discutera après. Nettoie le bain, fais ça comme il faut, nettoie, il y en avait un peu sur le plancher, nettoie le plancher. Moi, je pense pas que je suis en train de tout effacer. Je pense pas que je suis en train d'effacer des preuves de quoi que ce soit, là. Je veux dire, moi, elle a fait une fausse couche, là. Je suis juste en train de l'aider. Marie-Ève Roy jette ensuite ce qui lui a servi à nettoyer. OK, je ramasse ça, je viens me prendre un sac en dessous de l'évier de la cuisine, je viens me prendre un sac, là, je l'entends. Mais pas ton sac dans la sac de, dans le gros sac de la cuisine. Il dit, il est plein, puis il pue les légumes. Ce qui a fait que je suis allée vers le sac, c'est justement ça. C'est le fait qu'elle me dise, prends pas ce sac-là. J'ai dit, c'est bizarre. Fait que j'ai dit, je vais aller voir. D'un coup, il y avait quelque chose, j'ai ouvert le sac. Le premier sac, on parle du sac noir. Il y avait plein de sacs. Dans le sac, il y a plein de sacs, mais il y a un sac blanc avec du sang. Puis, plein de choses visqueuses. Hein. J'ai dit, OK, c'est beau. J'ai refermé. Et puis, sans y penser, je prends le sac. Envoyé en bas. Qu'est-ce qui attend la jeune mère? Doit-elle être traitée comme une meurtrière? Ou soignée pour son impuissance à reconnaître ce qui lui arrivait? Et qu'est-ce qui attend sa conjointe, qui, sans réaliser ce qu'elle faisait, a contribué à faire disparaître le corps? Dans la nuit du 12 au 13 juillet 2008, après avoir nié sa grossesse pendant 10 mois, Marie-Ève Bastille, 22 ans, accouche en cachette et met au rebut son bébé en affirmant qu'il était mort-né. C'est après son transfert à l'hôpital pour évaluation que Marie-Ève Bastille réalise enfin ce qui est arrivé. Elle craque. L'enfant dont elle a tant nié l'existence devient une réalité. On a aussi appris qu'elle l'avait baptisée, elle l'a nommée Ariane, et qu'elle s'est fait tatouer la lettre A. Il y a eu une cérémonie funèbre aussi là, par la suite. En plus, un enfant en santé. Elle aurait pu avoir des parents aujourd'hui, cet enfant-là. Malgré l'horreur de la situation, le déni de grossesse est évoqué par tous les psychiatres qui examinent Bastille. Le déni de grossesse est sûrement plus fréquent qu'on peut le penser. Le déni est un mécanisme de défense. Les mécanismes vont servir à protéger les individus, à les protéger contre certaines réalités. C'est vraiment une recherche de solutions. Mais même si Marie-Ève Bastille a été victime d'un déni de grossesse, il reste à savoir si elle doit être tenue criminellement responsable de la mort de l'enfant qu'elle a mis au monde. L'accusation d'infanticide n'a pas été retenue parce que la définition qui est décrite dans le code criminel ne s'appliquait pas dans notre cas. Marie-Ève Bastille n'était pas en situation de lactation ou ben, de dépression postpartum ou d'un changement hormonal suite à l'accouchement. Quant à Marie-Ève Roy, l'ex-conjointe, les accusations retenues contre elle tombent la veille même de son procès. Le chef d'accusation de suppression de part a été retiré parce qu'on n'était pas capable de faire la preuve hors de tout doute raisonnable que la conjointe savait que c'était un bébé qui était dans le sac de poubelle quand il a été le porté au Fnac. C'est normal qu'elle prenne cette preuve. Je veux dire, j'ai jamais su qu'il y avait un enfant dans le sac. Je peux pas avoir supprimé un corps. Donc, c'est tout simplement ça qui est arrivé. Ça a été quand même un long processus. Je pouvais pas sortir du Québec. Je pouvais pas avoir aucun contact avec la famille, Marie-Ève, aucun contact avec elle. Cette affaire constitue une première dans nos annales judiciaires et elle frappe l'imaginaire. Le juge a retenu le syndrome, le déni de grossesse, a reconnu l'existence du déni de grossesse. Je pense qu'il n'y a pratiquement pas de jurisprudence, sauf erreur. Au Québec, c'était probablement le premier cas médiatisé. L'atmosphère était lourde parfois dans la salle d'audience parce que on voyait Marie-Ève Bastille qui échangeait des regards avec sa mère. Et souvent, bon là, elle éclatait en sanglots, on la voyait, on l'a vu pleurer beaucoup. Le 24 septembre 2010, Marie-Ève Bastille choisit de plaider coupable pour homicide involontaire. Il n'y a pas eu de procès, mais il y en a presque eu un quand même avec les représentations sur la peine qui ont duré 3 jours. Ce qu'il fallait déterminer, c'est son degré de responsabilité et c'est là que la couronne et la défense ne s'entendaient pas, mais pas du tout. La couronne demandait 50 pénitenciers alors que la défense, elle, disait ben elle a fait déjà 15 mois de prison, c'est assez, on devrait la remettre en liberté, cette fille-là a besoin d'aide et non pas d'être en détention. Le juge, finalement, s'est rabattu sur la notion de doute raisonnable. On n'a pas été capable de démontrer, hors de tout doute raisonnable, que l'enfant a été violenté par Marie-Ève Bastille. Le 3 novembre 2010, Marie-Ève Bastille connaît sa sentence. Elle est condamnée à 3 ans de prison. Mais en mars 2011, après seulement 4 mois de détention, la jeune femme est libérée sous condition. Parmi ces conditions, elle doit se soumettre à une thérapie, s'abstenir de consommer toute drogue et être consignée 24 heures sur 24 chez ses parents, à l'Ancienne-Lorette. Ses parents, je pense que c'est les personnes que je plains le plus sur la terre. Je trouve ça tellement triste, c'est tellement des bonnes personnes. J'y en veux pour eux. C'est pas... C'est pas quelque chose à faire vivre, hein, ses parents. Marie-Ève Bastille a été confrontée par bien des gens et elle a menti à tout le monde, y compris les policiers, les ambulanciers, le premier psychiatre qu'elle a rencontré. Elle a menti à tout le monde. Mais moi, aujourd'hui, je la vois encore plus manipulatrice que je la voyais. Je réalise que tout ce que j'ai eu comme doute, comme manque de confiance, qu'elle a réussi à dénier et me faire à croire le contraire, mais tout ce que j'ai douté était vrai. Aujourd'hui, je vois que c'est pas moi, là, c'était pas moi la folle, là, c'est elle qui me mentait, puis pour vrai, là. Quand on ment, on a conscience de mentir, alors que les mécanismes de défense sont inconscients. On ne saura jamais ce qui s'est passé dans la tête de Marie-Ève Bastille. Son refus d'affronter certaines situations lui aura fait faire des choix qu'elle devra porter jusqu'à la fin de ses jours. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir ?